Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Messieurs, dames, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, deux secondes à peine. Je peux vous faire rire, vous faire de la peine. Mais vous savez, il en faut de l'audace. C'est tellement dur de se faire une place. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison. Ils disent que je suis le plus beau, que je suis un sacré numéro. Messieurs, dames, je suis malléable, jeune, ambitieux, capable. Je peux être sale, je peux être propre. Je peux faire du jazz ou du hip-hop, moi. Je vous en supplie, j'en ai pas dormi de la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions. Je pensais la connaître, moi, la chanson. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, ne partez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je veux mener la vie d'artiste, moi. Ne plus être seul, ne plus être triste. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise? On se reverra sûrement pas, non? J'irai chanter devant l'église. Peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve. Accroché. Ça, c'est un cadeau pour RFM. Christophe, on a oublié de te demander quelque chose, mais tu peux rester au micro. C'est la chose la plus importante. C'est la plus importante pour nous de la saison chaque année. Et ne te sens pas obligé de répondre oui. Mais moi, je dis qu'il va dire oui. Chaque année, on change de parrain. On a eu Monsieur Laurent Voulzine pour notre première saison ensemble. On a eu Zazie. Et on aimerait beaucoup que tu, sois le parrain de notre émission cette saison. Tu dis oui ou tu dis non. Et tu n'as aucune contrainte. Pas de cadeau obligatoire. Pas de cadeau obligatoire. Tout, pas d'étrenne. Enfin, ça, si tu veux. Quel honneur. Après Monsieur Laurent Vouzy, après. Après Zazie. On s'était dit qu'avec toi, ça serait bien. Mais c'est avec grand plaisir. Et une obligation, t'es obligé de venir nous voir plusieurs fois dans l'année. Tous les matins. Tous les matins. Ouais, grave. Et déconnez pas. Si tu acceptes, nous. Et c'est avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour les cadeaux. Merci d'être venu nous voir. Merci, Christophe. Merci à vous.